Salut mes petits loups, c'est Frawolf et bienvenue pour un nouvel épisode sur la map Spakovo. Nous sommes donc toujours en Pologne. Aujourd'hui un épisode spécial ovidé, hein, spécial animaux à quatre pattes. On peut demander qu'est-ce qu'il y aura monsieur comme animaux exactement là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va voir? Salut mon gars, voilà, y aura les caprins, y aura de la biquette, hein, y aura de la chèvre, bien entendu. Y aura donc le bouc, y aura aussi le mouton, et puis voilà, y a la brebis aussi qui sera là dans l'étable avec les autres. Voilà, y'a compris le Frawolf, le gars de la ville là? Oui, c'est bon, très bien, j'ai compris. Donc, spécial 4 pattes, et puis pour tout ça, il va falloir qu'on aille chercher aussi nos balles d'herbe, mais on a juste avant des balles de paille qui sont vers là-bas au fond. Donc, on va quitter les gars de l'EDF là qui sont derrière. Je sais pas s'il y a EDF en Pologne. Et puis, on est parti, on est sur la route, on va tailler notre chemin, c'est là-bas au fond. On ramasse notre paille, on ramasse notre herbe, et ensuite on va acheter nos petits animaux et leur donner à bouffer. Voilà! Allez, on est parti. Ouais, attends, faut pas que je prenne trop l'accent parce que je vais rester coincé après. Allez, salut les gars. Ouais, bon c'est bien, hein, tombez pas surtout. Bon, le temps était gris tout à l'heure, regardez, ça s'améliore un petit peu, là je vois un peu de ciel bleu. Alors dans le jeu, hein, parce qu'en vrai, le jour où je tourne, il y a un temps dégueulasse. Je suis allé promener mes chiens juste avant, je me suis pris une ratatouille. J'ai pris une belle saucée, je suis trempe. Voilà, du coup je suis enrhumé. Et vous allez voir une belle vidéo avec le Frawolf qui est enrhumé. Enrubé, hein, comme on dit par chez nous. Bon, j'espère que mes paroles seront entendables. J'ai pas de filtre anti-rube, donc on verra bien si ça passe. Si vous m'entendez renifler, tousser, cracher, c'est normal. Hein. J'ai failli dire d'autres trucs, mais non. Alors, c'est les bruits de fond. Hein, c'est la vie, hein, c'est la vie à la campagne. Alors, est-ce que c'est là? À chaque fois, je veux tourner ici. Ah ouais, mais c'était là, non? Non? Ah merde, je sais plus. Où est-ce que je suis? Vite, Dora, file-moi la carte. il a envie de déconner le père Frawolf, j'ai l'impression aujourd'hui. Où est-ce qu'on est? On doit être ici. Ah ouais, mais c'est pas du tout là. Attends, le champ il est là, le truc il est là. Allez. Ah bah oui, on est juste au niveau de la cire. Ah bah c'est là mes bottes de... Attends, j'y vois plus rien, où suis-je? Ouais, mes bottes de paille, j'en ai ici. Mais oui, là on ira après. L'autre champ il est un petit peu plus loin. Attends, on va se mettre comme ça parce que sinon on y voit guerre avec tous ces arbres. Tous ces feuillus, toutes ces touffes de végétation. Hop, c'est ici. Oh mon dieu, oh misère de misère. Allez. Ah, qu'est-ce que j'aime bien ce tracteur. C'est cool quand même. Et là, puis j'aime bien cet endroit, ce petit champ là dans le marais. C'est pas le marais profond mais... plein de petites rigoles autour, hein. Enfin, si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez ça déjà. Bien sûr. Alors, elle est où la papaye? Voilà. C'est exotique, hein, la papaye. Nous, on en a ici. Voilà. Des bottes pleines. J'en ai plein les bottes. Bien. Au lieu de dire des conneries, Frawolf, bosse un peu. Alors... Ah, puis alors je vais vous donner un... Enfin, c'est même pas un scoop parce que tout le monde s'en fout, moi le premier, mais... J'ai bu un espèce de sirop et j'en ai fait tomber sur le volant. Je l'ai pas encore nettoyé. Et j'ai le volant qui colle un peu. Hein, vous en foutez complètement, hein, mais c'est extrêmement désagréable. Bien. Alors, je sais pas s'il est en truc... c'est de l'autoload, hein, oui, j'ai pas envie de m'emmerder. Alors regardez, hop, c'est magique. Ah, ça fait du bien. Pas parce qu'on est en Pologne qu'on n'a pas de la haute technologie, regardez ça, même les extraterrestres ils ont pas ça. La technologie que l'univers entier nous envie. Regardez-moi cette parcelle, si elle est jolie avec ces petits ruisseaux. J'ai les doigts qui vont rester collés au volant, c'est pas possible. Alfra Wolf, il vous dit tout aujourd'hui, hein. Le rhume,
le volant qui colle. Ben oui, il faut boire de l'eau, faut pas boire de l'eau et du sirop, monsieur Frawolf. Ah là là. Bon, après, même de l'eau, vaut mieux éviter que ça tombe sur le volant, parce qu'il y a quand même un petit peu d'électronique dedans. Bien, bon, tout ça, on s'en fout. Revenons à nos moutons. Ah, non, on les a pas encore, les moutons. J'espère que vous allez bien, en tout cas, mes amis. Je vous salue tous bien bas. Les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, ainsi que les viewers, ceux qui sont pas encore abonnés, mais qui vont pas tarder à l'être, bien entendu. Alors... les autres balles sont par là-bas, c'est trop de la balle. Alors, par contre, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas du tout où je vais foutre mes balles. Ah, quoi que... ah, voilà, si j'ai peut-être une petite idée. Alors, normalement, j'ai acheté le matos qu'il fallait pour pouvoir les piquer, puisque je n'avais rien. Ce que je me rappelle pas, c'est... ouais, si, je crois quand même que j'ai amené le matos à la ferme. J'espère qu'il n'est pas chez le concessionnaire, parce que j'ai pas envie de faire... chez le concessionneur, chez le concessionnaire, parce que j'ai pas envie de faire d'aller-retour. L'ami Frawolf est peut-être un poil taquin aujourd'hui, mais il est toujours aussi feignant. Et regarde, on va avoir pile poil le nombre. Oh, mais qu'il est doué, mais qu'il est doué. Regardez ça, tout est calculé au poil de près. Bon, vous mettez l'adjectif que vous voulez derrière. Alors, on est reparti. Regardez, on n'est pas bien là à la campagne en Pologne ici. Hein? Tous ensemble? Tous ensemble? Non, je déconne. Je l'ai déjà fait ça sur une vidéo. Je sais plus laquelle c'était aussi. Voilà, où j'ai dit que l'ami Frawolf était là. Voilà. Après, tout le monde va croire que je fais partie des ultras dans les footballeurs. Si vous saviez. Je sais même pas ce que c'est le football. Non, je déconne. C'est le truc avec une voiture, non, c'est ça? Ah, s'il y avait des championnats du monde de la connerie, je pense que... je sais pas si je partirais... enfin, si je finirais vainqueur, mais en tout cas, certainement sur le podium, quand même. Bien. Et vous avancez pas vite, les gars, quand même, hein. Bah oui, mais il faudrait peut-être s'activer un peu, hein. Pas payer à rien foutre. Si vous croyez que c'est marrant, moi. Je conduis un tracteur avec un volant qui colle. C'est la merde. Regardez, c'est joli aussi, là, ces petits... c'est quoi, c'est aussi un petit ruisseau, ouais. Il y a un petit... ouais, une petite mare, on va dire, là, comme ça, avec des ajoncs et des cerfs, qui, et des biches, pardon, qui spawnent en plein dedans. Oui, oh, ça va, ça va. Bien, et puis donc, juste après, on va ramasser aussi notre herbe qui est là. Là. Bon, allez, j'arrête. Là. Ta-la-pa-pa. Ah ouais, jamais dire d'arrêter un Frawolf, hein, il continue encore. Plus belle. Ces soirées, ça est la plus belle pour aller danser. Allez, dégagez, oui, mais je passe. Alors, Frawolf en mission. Vous avez remarqué, aucun clignotant depuis le début. Hein. Ah oui, mais j'ai les doigts qui collent, je vous ai dit. Alors, s'il y en a un qui prend la vidéo en cours de route et qui entend que je dis j'ai les doigts qui collent, on peut se poser des questions quand même. Hein. Ah ouais, j'ai dit que je voulais l'amener par là. Comment je vais faire pour les décharger? Parce qu'il me faut de la place, moi. Comment c'est foutu, ça? Ou alors je les mets là. Là. Oh, c'est lourd, à force. Et je me fais marrer tout seul. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Alors... merde, c'est l'autre côté. Ah ouais, c'est vrai. On va y arriver. Vous auriez pu me le dire aussi que c'était de l'autre côté. Et au moment où je me dis ça, je me dis... est-ce que toutes les remorques c'est le même côté? Je suis pas sûr d'ailleurs, sur ce système.
Bon, on a posé ça là. Et du coup, on va aller se chercher les balles d'herbe. Et ensuite, ben, on mettra tout ça juste par là, derrière. Est-ce que je peux passer là? Alors, j'ai rangé un petit peu de matos. Vous voyez, là, il y a le tracteur Steyr qui est là. Et là, il y a la Kuhn qui est ici, à droite. Voilà, j'ai rangé 2-3 saloperies. Et après, on va mettre un petit peu de vie dans ces bâtiments. Oh, j'en ai un qui est ici, là. Regarde-moi ça. Ah, je peux passer ou pas? Ah, c'est limite. Je frôle le ruban. Allez. Oui, j'avais envie de slalomer. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi, ici. J'ai pas compté combien il y avait de balles. J'espère qu'on va pouvoir tout prendre en une fois. Je pense que ça devrait le faire, normalement. C'est vrai que celui-là, il n'en prend pas énorme. Hein. Alors, j'ai pris un petit truc, parce que... On est une petite exploitation familiale. Oui, bah je suis tout seul, mais je suis une famille à moi tout seul, vous le savez, ça maintenant. Allez. Ben ouais, alors là, ça sera pas aussi... voilà, j'ai voulu frimer tout à l'heure. Il en prend pas dessus. Ah mais si, 62%, je suis con, on pouvait en prendre dessus. Mais bien sûr. Putain, on dirait que c'est la première fois que tu joues à FS22, Frawolf. Bah ouais, mais c'est le rhume ça, c'est le rhume de cerveau en fait. Déjà je savais pas que j'en avais un, pas un rhume, un cerveau. Et en fait, voilà, ça m'a rendu encore plus con que d'habitude. Non, bah si, 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 si. Alors les petits canards, ils vont bien? Ben oui, ils vont bien, regardez-moi ça s'ils sont beaux. Alors ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je remets le jeu en route, j'ai pas les mêmes quoi. Donc là il y a 2 colverts, hein. Je vous ai dit que c'était mes canards préférés, les colverts. Oui je sais, je rabâche, mais je suis vieux, vous savez ça. Allez, on va se mettre là en attendant. Oh, mais quoi que j'ai envie de tout décharger. Ça lui fera faire un petit peu plus de trajet au père Frawolf, mais... Allez, au moins on sera tranquille. Allez, vire-moi ça ici. Hop. Voilà. Et alors ça, par contre, je sais pas où je vais le ranger, lui. Je sais pas, en attendant, on va se mettre là, dans le coin. Voilà. On gêne personne ici. Moi on est bien là, mais oui bien sûr qu'on est bien. Allez. Ah. Putain, il veut pas passer. Allez, bouge. J'ai dit bouge de là. Mon truc il est par où? Il est par là. Et voilà, j'ai acheté un petit chauffeur parce que bah, j'avais pas grand chose en fait en mode. Et je voulais du petit matériel hein, parce que on est une jeune entreprise qui démarre. Regardez-moi toutes ces vaches déjà qu'on a. Et donc pour l'instant on n'a pas beaucoup de moyens, même si là vous voyez qu'il me reste du pognon. Mais il y aura pas mal d'achats à faire. J'ai du terrain à acheter. Il y a les moutons, les chèvres et il y aura les vaches par la suite. Voilà. Mais je voulais pas qu'on ait du trop gros matos pour cette série. Hein, vous conviendrez que c'est plutôt normal. Hein. Voilà. Vu le type de ferme d'exploitation, il fallait que l'on ait pas du trop gros et beau matos, en tout cas au début. Mais je sais pas si cette série ira très loin, vu qu'après il y a FS25 qui va se profiler à l'horizon. Allez, on repart bosser. Ah, voilà, ça va aller mieux. J'ai nettoyé mon volant. Ah non, c'est pas possible, on peut pas bosser comme ça avec un truc dégueulasse. Allez, c'est ma chaise qui coince maintenant, qui est coincée. Ah, elle est coincée avec un fil. Bon, ben on est parti. On va aller ranger tout ça. On va passer par là. Est-ce que... Attends, fais voir un truc. Ouais, j'ai ça ici, là. Bah oui, mais ça va me gêner, ça. Parce que je voulais mettre mes balles au fond, moi. Ah ouais, attends, faut que je sorte machin aussi. J'ai un tracteur pas loin, là, il me semble. Allez. Hop, j'avais pas pensé à ça. Allez mon petit pépère, par où tu peux faire le tour? Par là, ouais.
Bien. Ah, il y a encore de l'herbe, tiens, à l'intérieur. Allez, attends, mais j'ai du boulot pour l'instant. Voilà, va te foutre dans les taillis, là. Voilà. Hop. On rangera mieux ça après, bien entendu. Parce que là, il y a tout ça à ranger. Et alors, vous savez qu'en plus, c'est ma spécialité. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, il y en a deux ou trois, vous allez voir que quand Frawolf dit que c'est sa spécialité, vous pouvez vous attendre au pire. Hein. Alors, tu vois, déjà, je déteste prendre les balles comme ça, pour commencer. Parce que là, comment tu veux que je les range? Moi, j'aime bien les ranger. Ça se range pas dans ce sens-là, les balles, on est d'accord. C'est ça qui est chiant avec le truc autoload, par contre. Faudrait qu'ils me les remettent droite, après. Parce que là, tu vois comment tu veux que je les mette, là? Ça va pas, ça. Puis comme j'ai la flemme de les tourner... Encore autant, quand je suis pas en vidéo, je m'en fous un peu, je prends mon temps. Mais en vidéo, on est limité par le temps. Ah ouais, mais je peux pas les poser comme ça. Ah, ça m'énerve déjà. Si vous les poseriez comme ça, vous? Ça se fait pas, ça va rouler après. Voilà, elles sont remises dans le bon sens. On va aller choper les autres. Ça, ce qui est marrant, c'est que c'est une activité que j'aime bien. Mais en même temps, je sais pas comment m'exprimer. J'aime bien, mais ça me gonfle. Voilà, certainement par le fait que je suis pas très doué. Voilà. Bon, en gros, si j'aime bien, il faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà, pour résumer. Voilà, ça, c'est un bon résumé, je trouve. Tu vois, parce que là, bon, on prend ça comme ça. Ok. Donc là, on est bien. Hein, on est bien. Ok. Ensuite, c'est là où ça devient chiant. C'est là où ça va merder maintenant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hop. On va faire ça. Bon, quoi que non, ça passe. Ouais, mais comme il y a le mur et tout. Parce qu'en plus, moi, je suis tellement chiant. Je veux tellement que ce soit... Non, bah regarde, nickel. Hein. Toujours défaitiste, hein, le... Hop, là, non, le marche arrière, c'est pas là, mon ami. Toujours défaitiste, le père Frawolf. Hein. Il est chiant. Hein. Allez. Bon, vous avez du temps parce que ça va en prendre un petit peu. Après, remarque pour l'herbe, je vais pas tout ranger dès le départ parce qu'il va falloir qu'on nourrisse les bestioles. Donc, du coup, on va déjà voir ce qu'il faut pour les nourrir. Et on rangera que ce qui restera, que ce qu'on n'aura pas eu besoin. D'accord avec moi là-dessus. Allez, hop! Ah bah oui, on bosse un petit peu quand même aujourd'hui, hein, je vous avais prévenu. Puis après on va aller... Alors pour une fois, d'habitude je fais du transport pour les bêtes. Là je sais pas, je me tâte encore, je me tâte beaucoup aujourd'hui. Je sais pas si on fait du transport ou si je les achète directement au niveau de leur étable. Regarde-moi ça. Pas du travail de pro, presque. Ouais, presque, semi-pro. Ouais, vous me l'accordez, semi-pro? Allez, si, pour me faire plaisir. Oui, vous allez me dire quoi? Même un semi-pro, il ferait ça mieux, plus rapidement et tout. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ok. Je m'avoue vaincu. Et vaincu, c'est pas mal, déjà. J'ai pas beaucoup de place. Quelle est la andouille qui les a foutus ici? Alors que j'ai plus de place ailleurs, mais je voulais pas faire trop de distance. Et en même temps, ouais, je me rappelais plus qu'il y avait les plots derrière et boum, et ça ici. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui est dans la mer maintenant? C'est le Frawolf. Il n'y a que moi pour faire ça. Ma vue de drone là en plus. Allez. Hop, viens par là, ma toute belle. Attends. Voilà. Hop là, ça passe, ouais, ça passe.
Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais ça nous fait faire un petit peu de... de gym. Oui, de gymkhana. C'est drôle, non ? Ah là là, mais c'est quoi ce mur ? On peut pas se pousser quand j'arrive ? Ah mais oui, mais attends, si je change pas de bouton, forcément c'est la caméra au lieu de la fourche. Et avance. Allez, avance. Voilà. C'est bien. Oh mais j'étais loin en fait là. Voilà, mais j'y voyais rien moi. Il y avait une balle de paille devant les yeux. Allez, les dernières. Et après, on va acheter les bêtes. J'ai pas regardé, tiens, combien on pouvait en prendre de la bête. Je sais même plus ce que j'avais dit, si c'était les moutons en bas ou les moutons en haut, je sais plus. Merde. Parce qu'en fait, dans mes deux bâtiments, là-bas, là, il y en a un qui est fait pour que les brebis ou les chèvres puissent avoir du lait. Mais je sais plus si c'est ce bâtiment ou celui d'en bas. Parce que comme s'ils se ressemblent d'un point de vue extérieur, c'est les deux mêmes. Et comme je me rappelle plus ce que j'avais dit. Bon, bah écoute, ça c'est bien, on peut en foutre à l'herbe à côté. Alors tu vas me dire, j'aurais pu faire deux niveaux. Non. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas... Ah non. Oh le gredin. Oh le bonnet. Oh le blaireau. Putain, ça aurait pu être bien. Regardez-moi ce bordel. Oh. Oh le malheureux. Attends, on peut le pousser comme ça un peu? Je vais te foutre encore plus de merdier, je sens. Ah ouais, non. Bon, attends, on va faire comme ça sinon. Voilà. Allez. Allez, pousse. Putain, ça veut pas. Et si, regarde un peu là. Tiens, tu vois, tout va voler dans tous les sens. Ah ouais, mais la. Putain, ça résiste. D'habitude, ça résiste pas les balles. Oh là là, ça. Bon, allez, ça m'énerve. C'est très bien comme ça. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure, semi-professionnel ? Bon allez, on va aller se choper deux balles d'herbe. Et on va s'acheter nos animaux. Bon là par contre je m'en fous un peu, je les prends comme ça en plus ça va faire tomber celle du dessus, j'adore ça. Parce que, de toute façon là c'est pour les foutre dans les mangeoires. Hein. Ah, c'est moi qui... Mon chauffeur. Allez, olé. Et pourquoi ils supportent plus maintenant le... Ah, elles sont plus lourdes les balles d'herbe. Ah ouais. Ah la vache. Je suis dans la merde là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je suis dans la merde. Allez, libère-moi de ça. Bon, mais on pourra pas les prendre par deux là. Pas terrible ce chauffeur là. Ah j'en ai pris un petit hein aussi. Mais je comprends pas que je pouvais prendre les... J'ai pas fait gaffe. 3500 litres, c'était combien pour la paille? J'ai pas vu. C'était pas la même chose? Bah. C'est le même... Je fais ça avec le même matériel, ça devrait être la même chose, non? Bon, je sais pas, je comprends pas. Bon, par où démarre-t-on? Alors déjà, faut que je me rappelle ce que j'achète et... Alors attends. Ah ok, en bas c'est l'étable de brebis laitière. Ouais. Alors. Je vais faire peut-être une connerie, parce que je voulais foutre des moutons et des chèvres. Les moutons pour la laine, je pense qu'en bas si c'est une étable de brebis laitière. Si j'y mets que des moutons et des brebis, ils vont me faire que du lait et non pas de la laine. Si je veux un peu de laine, faut que je foute mes moutons ici. Et donc en bas, je voulais mettre des chèvres. Est-ce qu'il y aura du lait de chèvre ou pas? Ben, au pire, on verra. Si ça fait pas de lait, ben on virera les chèvres et on remettra des moutons partout, quoi. Je sais pas comment ça fonctionne encore. Je les ai jamais pris, ceux-là, mode. Alors. Donc, ici, ça serait nos moutons classiques.
du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? Combien on peut en mettre? 65. J'aurais envie de prendre un peu des trucs rustiques. Alors, on va se prendre un bélier, ça c'est sûr. Voilà. Ouais, c'est pas trop cher, ça va encore. Et on va se prendre des brebis comme ça. On va s'en prendre quoi? Une trentaine? Pour commencer? Bon, quoi qu'il faut que ça commence à produire vite quand même. Allez, on va s'en prendre 40 brebis. Ok. On va se prendre des petites agnelles. Voilà. Et on va se prendre deux petits jeunes béliers, tiens. Pourquoi deux? Ben, c'est comme ça. Faut pas me demander, hein. Voilà. Voilà, pour suppléer le papa après. On a 53 sur 65, ça me va. Après, j'espère qu'après les autres vont se reproduire gentiment. Ah, regardez-moi ce petit troupeau là, mignonné. Hein? Ouais, l'enclos fait un peu petit, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà, allez. On va leur filer de l'herbe. À tout ce beau monde. J'ai une marche là. Allez, on va balancer ça ici. Bonjour, bonjour, à table, j'arrive. Voilà. Et fais voir un truc du coup. Ah, ta gueule. Alors, ouais, il aime les animaux, le mec. Ah ouais, on peut leur enfiler pas mal d'herbes, regarde-moi ça. Ah ouais, c'est formidable. Ouais, ça m'embête un peu qu'on puisse pas prendre par deux les trucs. Waouh, ouais, là le sol ici il est pas bon du tout. Ouais, c'est les tables que j'ai ratées. Ah merde, c'est pris là. Quel est le con qui a garé sa charrette? Ah là 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 là. On voit rien là. Elle est où mon herbe? Ma beuh, elle est là. Ah. Et franchement, ça me. Je vais réessayer, ça me gonfle de pas pouvoir en prendre deux. On va se retenter le truc quand même. Allez faire ça. Hop, on pique un poil et ah ouais, ça fait pareil. Ah, c'est bien en vue intérieure comme ça. On voit vraiment le merdier. Bon ben, hop là. Bon ben, je peux en prendre qu'une. Hein. Ah, ça va être chiant, ça va être long. Je crois que l'épisode va être super lent déjà. Donc de toute façon, ce que je vais faire là, je leur en fous une deuxième pour le plaisir. Et après, on va aller passer aux biquettes de l'autre côté là. Pas nous emmerder pendant 10 ans non plus. Allez, on s'en met une là. Ouais, bah, j'arrive, j'arrive. Très bien. Et allez, on va s'en prendre une autre. Hop là, on fait un peu de gym canard. De la gym canard. Non, voilà, comme ça. Hop là. Viens par là, ma toute belle. Hop là, et ensuite on. Alors, on va d'ailleurs passer devant les canards. Et on va aller s'acheter de la biquette de l'autre côté. Et puis voilà, ça aura fait un petit épisode sympa. Ouais, il y aura de la vie comme ça un petit peu partout. Ah ouais, parce que sinon ça fait tristouner quoi. Regarde. Bim. Si je le fais là sans monter sur la plateforme, est-ce qu'il le prend quand même? Pas sûr, on va voir. Ouais.
Bien. Alors, attention à pas se piquer quand même. Ici, donc on va voir, c'est un truc de brebis, mais on va voir si ça marche avec des chèvres qui peuvent produire du lait. Ou sinon le mode fonctionnera peut-être pas du tout. Alors vous, si vous connaissez le mode, vous allez vous marrer si je mets de la chèvre et qu'il fallait absolument que de la brebis. Mais j'en sais rien, on va voir. Qu'est-ce que je fous comme chèvre? Ouais, on va mettre tout des couleurs marron comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai envie. Alors, tu sais pas comment on va tester, on va pas en prendre 100 000 non plus, hein. De la chèvre de montagne, non? Qu'est-ce qu'on avait sinon? Attends. Il y a que la couleur qui change, elles sont toutes moches de toute façon. Moi, ouais, ça serait marrant de la chèvre noire, j'en prends jamais, je crois. De la Welsh. Alors, on va s'en prendre une vingtaine quand même de chèvres, non? Allez, 25. Allez, 30, bon, on s'en fout. Ça vaut pas très cher, regarde. Allez. Qu'on se rende compte rapidement quand même si ça va nous faire du lait ou pas. Des petits chevreaux, on va s'en prendre pas beaucoup. Allez, bah si j'en mets 3 là. Allez, 3 chevreaux ici. Ok, de la chevrette. On va s'en prendre une dizaine. Bon, j'avais dit que je prendrais pas beaucoup de trucs, mais tu vois, au final. Et le bouc. Le bouc, on en met qu'un. Il fabrique hein, le bouc. C'est un bookmaker. Ah bon, voilà, bah, tout ça c'est bien. Alors, regardez si elles sont mignonnes, mes petites chevrettes noires comme ça. Mes chevrettes et mes chèvres, bien entendu. Bon, et puis on verra, on verra, on verra, on verra. Allez, je leur amène un dernier truc de... Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il y avait un truc qui me gênait aussi. Ah, j'aurais dû monter ça un peu plus. On se prend une dernière petite botte d'herbe, là. Mais ouais. Et puis après, on se dira au revoir. Il a du mal à monter, le machin, là. Il faut dire qu'il est... c'est pas très puissant, hein, celui-là. Puis voilà, on aura fait quelques petites activités sympathiques, me semble-t-il. Ah ouais, tiens, j'ai ramené ce camion là aux couleurs de la Pologne aussi ici. Et je dois avoir le reste, j'irai le ranger tout à l'heure. Et ici, j'ai, ben oui, j'ai une balle d'herbe toute seule qui s'ennuie un peu là. On va s'occuper d'elle. Ah mais quoi que non, il y avait l'autre derrière moi, ça va. Ah ouais. Et j'avais mais combien de chances pour que je la rate? Alors, voilà. Par contre, les nuits tranquilles à dormir, c'est fini. Hein. Les moutons, les chèvres, les canards et les poules. On va plus s'entendre réfléchir. Heureusement qu'on réfléchit pas beaucoup. Hein. Il y a la lumière pour réfléchir, c'est pas mal. Comme moi, je suis pas une lumière. Bon, ben voilà, qu'est-ce que... Tiens, la prochaine fois, faudra peut-être qu'on s'occupe de la serre. Non, non, pas du cerf, de la serre. Ouais, il y a une serre là-bas derrière. Je sais plus ce qu'on peut y mettre dedans. Et doucement, Jolly Jumper. Ah, c'est qu'il y a le toit qui nous gêne un peu. Allez, hop, voilà, parfait. Bien! Eh ben c'est mignon tout plein ça! Donc au niveau de nos beignets. De nos beignets. Ouais, j'ai faim, c'est pour ça. Au niveau des béliers. Et tes brebis. Oh, il est temps que ça se termine cet épisode. Bah, ils ont ce qu'il faut. Ils vont nous produire un petit peu de laine. Très bien. Les canards, ils vont pas nous produire de la laine. Mais normalement, ils devraient faire peut-être des œufs. On verra ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de nos chèvres. Donc, si le mode n'est pas buggé, on aura peut-être du lait de brebis fait par des chèvres. C'est hyper rare. Bon, là, pour l'instant, tout est à 0%, on verra bien. Puis, je suis en vitesse 0,5, donc c'est normal que ça ne décolle pas beaucoup pour l'instant. Et au niveau de nos poussins, de nos coques et de nos poules, on devrait avoir aussi quelques œufs, je l'espère. Et il y a de quoi bouffer, c'est parfait. Voilà, et je fais ça juste suite au dernier épisode. Donc il n'y a pas eu beaucoup de temps qui s'est écoulé, c'est pour ça que vous voyez qu'on n'a pas eu encore deux de la part de nos poules. Et regardez en plus ce qui est sympa, c'est que ben, ils vont pouvoir s'admirer mutuellement. Voilà. Combat entre les... Oh là, elle est furieuse cette poule. Combat poule-chèvre. Après ça fait bizarre hein, que des...
que des chèvres noires comme ça. Alors je mettrais peut-être une deuxième couleur quand même un petit peu pour... J'aime bien quand il y a de la variété quand même. Voilà, voilà, ça c'est fait. Bon, j'avais envie de voir si tout allait bien. Nos canards, ils se portent à merveille. Et puis on va terminer là-bas avec nos petits moutons. Alors eux, c'est bien parce qu'ils ont deux couleurs, tu vois, comme ça. Hein, ça fait moins tristouné. Voilà. Ah oui, attends, avant de se dire au revoir. Hop. Non, c'est pas le camion que je voulais vous montrer. C'était la petite serre. Parce que la dernière fois, j'ai vu le grand frère, et là, c'est la petite serre. Oh là 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 là, Frau Wolf. Il est temps que t'ailles bouffer, parce que ça t'obscurcit le cerveau, mon pauvre ami. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on pouvait faire plein de trucs. Ça, est-ce qu'on en aura besoin? On a quoi qu'on peut faire? Betterave sucrière, pommes de terre, tournesol, colza, soja, coton, maïs, tomate, fraise, laitue, blé, sorgho, avoine. Franchement, cultiver de l'avoine, du sorgho, du blé là-dedans, je suis pas certain. Laitue, fraise, tomate, c'est du classique. Du maïs. Ah, après, on pourrait se dire, ouais, pourquoi pas, pour en donner à nos poules. Coton, ça m'étonnerait, soja aussi, colza aussi. Tournesol. Ouais, je pense qu'on fera dans les choix possibles, ça pourrait être laitue, fraise, tomate, bien entendu. Et après, peut-être quelques patates, betteraves sucrières. Je pense pas que j'en aurais besoin, à moins que j'ai une production un peu spécifique. Le maïs, vraiment, si on voulait se faire plaisir pour dire qu'on va filer un peu de maïs aux poules, quand même. Ouais, bon, on verra. Mais on mettra ça en place certainement, j'allais dire la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mais déjà, je tourne cet épisode en avance, donc on verra bien. Bien, les amis, c'est sur cette très belle image que nous allons nous laisser... Ah, je l'évite un petit peu, quand même. Ouais, j'ai des pouvoirs magiques. Attends, bon, oui, j'ai des pouvoirs magiques, mais ça le fait pas, quand même. Voilà. Je veux bien faire le guignol sur des balles d'herbe, mais quand même, avec nos petits moutons derrière. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Et puis merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Frau Wolf Gaming. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.